Mes amis, aujourd'hui, je voudrais alors vous dire que Dieu vous aime. Et que Dieu va vous donner un grand joyeux Noël et une bonne et heureuse année. C'est ma prière. Donc le psaume 73, verset numéro 25, le psalmiste me dit ici « Qui d'autre ai-je au ciel ?» Et il continue ici « En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. » Voilà tout. Celle-là doit être la posture de chaque chrétien. Au ciel, il n'y a que Dieu. C'est clair qu'il y a des anges là, pas tous, mais je veux le plus grand. Je suis bien. Et c'est cela que nous devons vouloir. Nous n'avons pas à faire une prière pour que Dieu envoie un ange qui reste là, parle avec nous. Non, parce que alors vient un démon ici, parce que Dieu n'a pas envoyé cela, non. Dans tout ce que Dieu n'a pas envoyé, l'ennemi en profite. Et donc, qui d'autre ai-je au ciel que Dieu? Voilà, seulement. Et sur la terre, en dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Désirez juste Dieu. Et vous savez, la meilleure, il veut être avec vous. Et il veut vous rendre heureux. Et qui sait, aujourd'hui est un jour de pleurs. Échangez ces larmes de tristesse pour des larmes de joie. Regardons maintenant cette personne qui a été bénie. Madame, depuis combien de temps? Ça fait près de 10 ans, missionnaire. 10 ans? Oui, hein. Je me suis blessée au bras. Hein. Et je ne faisais que cela, regardez. Et maintenant? À présent, il va là, bien haut. Ah, oh, comme c'est beau, vous voyez, mes amis. C'est vraiment beau. Merci. À présent, je veux prier pour vous. Oh, mon Dieu. Je vais unir ma foi avec la foi de toutes ces personnes qui sont en train de prier. Demandant alors ton aide. Et Dieu, je les bénis à présent au nom de Jésus-Christ et je vais expulser le mal au loin. Peu importe le mal qui est dans votre vie, comme ministre de Dieu, je dis « sors de là, va-t'en de là » au nom de Jésus. Et vous dites maintenant « merci beaucoup Jésus » et « Amen ».